cher ami Valorem, maladif Angei, Amzara Shravoredo, Maliki Mour Minrai, Palomero. O cher ami Malikum Faro, Eizorei Mina, L'orchestre Milogei. Ginomai, top nomata tes prophetehias. Oilogoi tes prophetehias. Prophetai, prophetes. Voilà, bonjour, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur, merci pour ton don. Merci pour la vie, merci pour la parole, merci pour l'esprit, merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice sur la croix, merci pour le salut émanant de la croix. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour ton sang coulant sur la croix pour nous épurer, pour notre expiation, pour notre propitiation. Béni soit ton nom. Seigneur, merci parce que tu pardonnes nos iniquités et tu nous conduis dans le chemin de la justice et de la droiture. Béni sois-tu pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, connectons-nous massivement. Nous attendons nos bien-aimés. Allô. Seigneur, merci pour ta grâce. Bonjour à Fanel, bonjour à Gaël, Mafo, Laure, Cash.
Roland Nana, bonjour, bonne arrivée. À Lucha Loran, bonne arrivée. Ça, on a des brebis très fidèles. On va parler d'un sujet très intéressant ce matin, très important pour tout croyant soucieux de bâtir sa foi et sa relation avec Dieu. Bonjour à Nathalie Ndekpo. Bonjour à Choupi Choupi. Bonjour à l'évangéliste Landry. Bonjour au chantre Blessing. Ulguini. Setsetine. Florent Djoumé. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Bienvenue à la lumière des Saintes Écritures. Il faut dire que cette émission a été initiée par mon Michel Amekan avant qu'elle ne retourna vers le Seigneur. Et nous avons gardé le nom de cette émission pour célébrer sa mémoire. Mommy Forever. Donc, connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Et nous allons parler. Et chacun doit prendre son cahier, son bic. Prends ton cahier, ton bic, si tu es en position d'avoir un cahier et un bic. Les numéros WhatsApp sont disponibles pour vous. Voilà. Donc, sur WhatsApp, quand vous m'écrivez vraiment pour me demander comment je vais, généralement, je ne réponds pas à ce genre de message. Le WhatsApp, c'est pour des questions sérieuses. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez garder le WhatsApp pour le jour où il y aura une urgence. Voilà. Comme ça, pour que nous puissions utiliser de manière utile le temps que Dieu nous a donné. Donc, c'est important de le savoir. Donc, ne m'écrivez pas sur WhatsApp pour savoir comment j'ai dormi. Le Seigneur veille sur moi. Et parce que si j'ai, par exemple, deux messages, il y a quelqu'un qui demande comment j'ai dormi. L'autre dit que urgent, urgent, je suis en train de mourir. Au secours. Je vais aller au secours de celui qui demande le secours parce que lui, c'est important. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dans le numéro WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas ça, vous pouvez afficher, bien-aimé, 600, plus 237, 672, 1303, 23. Plus 260, plus 237, 672, 1303, 23. Ça, c'est le WhatsApp MTN qui sert aussi de Momo. Pour ceux qui veulent envoyer leurs offrandes, là c'est pour Momo. Et nous avons l'autre WhatsApp avec le numéro orange. Lui, c'est le 692, 680, plus 237, 692, 40, 71, 86, plus 237, 692, 40, 71, 86. Donc, vous pouvez afficher ça pour aider. Ça, ce sont les deux WhatsApp par lesquels nous pouvons communiquer par la grâce du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et nous prions que tu sois avec nous, que ton esprit nous purifie, nous vivifie et que ta parole soit vivante dans nos cœurs, que ton nom soit grand au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que nous sommes en train de parler, nous étions en train d'étudier, on a commencé la semaine passée à étudier les dons de l'esprit. Et malheureusement, c'est un domaine où aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'appesantissent pas. Ça veut dire qu'on ne donne pas l'importance au don de l'esprit. Et il y a eu une nouvelle culture chrétienne, spirituelle, qui s'est développée dans l'Église où les croyants, les saints, pensent que ce n'est qu'à travers les hommes de Dieu et les prophètes qu'on peut consulter Dieu ou bien entendre Dieu ou faire parler Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas ça, la déontologie de la foi, l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi, les dons spirituels sont à la disposition de tous les croyants. C'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Les dons sont en leur faveur. Dieu a mis ces dons à la disposition de ceux qui le servent. Donc, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais c'est pour tous ceux qui servent Dieu et qui recherchent les dons spirituels. Or, le problème avec les dons spirituels, c'est que le don spirituel ne vient pas à vous, c'est vous qui le cherchez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « aspirez au don spirituel, aspirez au don le meilleur ». Mais il dit « mais surtout à celui de prophétie ».
J'ai expliqué pourquoi l'apôtre Paul a dit surtout à celui de prophétie. Donc, s'il vous plaît, partageons ce direct dans nos différents groupes. Parce que c'est une éducation fondamentale. Et même les hommes de Dieu, si vous connaissez un homme de Dieu, connectez-le à ce direct. Ça pourra aider. Parce que la question que je vais développer ce matin est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Quelle est la différence? Et je vous pose la question, que chacun réponde. Quelle est la différence? Je veux les propositions de réponse. Vous savez que c'est l'école, c'est à la lumière des Saintes Écritures. Quelle est la disposition, quelle est la différence entre le don de prophétie et le don de parole de connaissance? Quelle est la différence entre le don de prophétie et le don de parole de connaissance? En commentaire, s'il vous plaît, envoyez-moi vos réponses. Quelle est la différence entre la prophétie et la parole de connaissance? C'est quoi la différence entre les deux? Entre le don de prophétie et le don de la parole de connaissance. C'est quoi la différence? Maintenant, nous allons lire les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. « Et castodé didotai he phanerosis tou pneumatos prosto sumferon. Et casto de didotai à chacun est donné. Hephanerosis tou pneumatos, la manifestation de l'esprit, prosto sumferon, pour le profit commun. Donc il dit, et casto de didotai hephanerosis tou pneumatos, à chacun les manifestations de l'esprit sont données, prosto sumferon, pour le profit de tous. Donc, les dons du Saint-Esprit sont donnés pour le profit de tous. Sumferon, en grec, signifie pour faire profiter chacun. Chacun doit profiter. Quand Dieu vous donne un don, c'est pour que tout le monde profite de ce don. Donc, si les gens ne profitent pas de votre don, c'est un problème. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont cité, par exemple, le passage. Laissez-moi vous expliquer ça. Passons par les dons de l'Esprit. Le passage de, je crois que c'est Matthieu 10, le verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Voilà. Donc, il dit que les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit sont donnés, les dons de l'Esprit sont donnés pour le profit de tous. En français, on parle l'édification de tous, mais le grec parle du profit. Ça veut dire que quand Dieu te donne un don spirituel, les gens doivent profiter, tout le monde doit profiter au même titre de ce don-là. Vous voyez. Donc, c'est pas possible. Donc, il parle, excusez-moi, je suis en train de chercher un passage là. 10, 8. Voilà. Donc, quand vous lisez, par exemple, ici dans le passage de Matthieu, chapitre 10, le verset 8, le Seigneur Jésus fait une déclaration qui est polémique aujourd'hui parce qu'elle est mal comprise. Il dit, « Asthenuntas therapeute, ceux qui sont malades, guérissez-les. Necrus egeirete, les morts, ressuscitez-les, ramenez-les à la vie. Lepros, catharisez-les, les lépreux, purifiez-les. Daimonia, ekbalete, les démons, expulsez-les. Dorian et labete, vous avez reçu gratuitement. Dorian dote, donné gratuitement. » Donc, dans ce passage de la Bible, qui est devenu polémique aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ dit que ressusciter les morts, guérissez les malades, purifier les lépreux, chasser les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ parle des dons de l'Esprit. Il parle des dons du Saint-Esprit. Donc on peut dire que lorsque Dieu accorde un don de l'Esprit à quelqu'un, il ne doit pas faire du commerce avec ce don. Il ne doit pas commercer avec ce don. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Matthieu 10, verset 8, interdit la vente des dons, la commercialisation des dons de l'Esprit.
Et il dit que vous avez reçu gratuitement. Vous ressuscitez les morts, c'est un don de Dieu. Vous guérissez les malades, c'est un don de Dieu. Ouais, vous chassez les démons, c'est un don de Dieu. Donc vous avez reçu ces dons gratuitement, vous n'avez pas acheté. Alors personne ne doit dépenser pour profiter ou bénéficier de ce don. Alors le danger dans cette génération, c'est la commercialisation des dons de l'esprit. Malheureusement, il y a des hommes de Dieu qui commercialisent les dons de l'esprit. Ça veut dire que pour prier, pour que tu sois guéri, il faut que tu payes de l'argent, une somme d'argent bien définie pour que tu reçois la prophétie. Tu dois payer de l'argent pour recevoir la prophétie, etc., etc. Donc, la Bible interdit la commercialisation des dons de l'esprit. Alors, l'apôtre Paul va donc donner la définition dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, du pourquoi du don de l'esprit. Lorsqu'un don spirituel t'est donné, quel est le but? Ekasto de didotai, hephanerosis, tou pneumatos. À chacun est donné la manifestation de l'esprit. Donc ici, les dons de l'esprit, l'apôtre Paul les appelle autrement, phanerosis tou pneumatos. Phanerosis tou pneumatos veut dire les manifestations de l'esprit. Donc en fait, la diversité des dons de l'esprit que nous avons dans l'Église sont pour chacun de ces dons une manifestation spécifique de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Et il donne donc le but du don, prosto sum theron, pour le profit de tous. Donc chacun doit profiter du don que Dieu t'a donné. Donc ce n'est pas que quand quelqu'un t'énerve, tu lui dis, toi, tu n'auras pas la prophétie parce que tu m'as énervé. Non, 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 non. Non, non, je ne vais pas te guérir parce que je t'ai demandé de l'argent hier, tu as refusé, tu vas mourir ta maladie. Non. Les dons nous ont été donnés gratuitement et tout le monde doit profiter. Quand Dieu te dit que telle personne a droit à ce don-là, tu dois faire participer cette personne au don de l'esprit. Maintenant, la question pour ceux qui viennent d'arriver, quelle est la différence entre le don de prophétie et le don de parole de connaissance? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la différence entre les deux. Quelle est la différence entre le don de prophétie et le don de parole de connaissance? Maintenant, le verset 8 dit ceci. Ho men gar. À une autre, en vérité, dia tout pneumatos à travers l'esprit, didotai logosophias, est donné une parole de connaissance. Allo, à une autre, de logos gnoseos, à une autre, la parole de connaissance, c'est ce qui m'intéresse. Kata to auto pneumata, pneuma, selon le même esprit. Ouais, le verset 9 maintenant. Il dit hétéro à un autre, pistis, la foi, c'est-à-dire le don de foi. Il y a une différence entre la foi et le don de foi. Ça, on va voir ça après. Ento auto pneumati, par le même esprit. Et il dit allo à un autre, de charismata iamaton, le don de guérir ou le charisme de guérir. Vous voyez que le mot don en grec, c'est charismata. Charismata qui signifie le charisme. Charisme qui signifie la puissance ou le pouvoir, vous voyez. Donc il parle à une autre, charismata, de charismata iamaton, hein, le charisme de guérir, ento eni pneumati, par le même esprit. Verset 9, il dit, allo, verset 10, allo de energemata dunameon, à une autre. La puissance d'opérer des miracles. Allo de energemata dunameon. À une autre, c'est-à-dire energeio, energemata veut dire les œuvres de miracles, c'est-à-dire la capacité de fabriquer des miracles. Allo de propheteia. À une autre, la prophétie. Voilà ce qui m'intéresse. Allo de propheteia. Et dit allo de diakriseis pneumaton. À un autre, le discernement des esprits. Hétéro, à un autre, gene glosson, la diversité, la capacité de parler diverses langues. Voilà, hétéro, gene glosson, à un autre, le pouvoir de parler une multitude de langues. Allo, de herménéia glosson, à un autre, la capacité d'expliquer les langues ou d'interpréter, parce que herménéia, en grec, signifie interpréter ou expliquer, donner une explication ou traduire. Ça, c'est un traducteur. Donc, maintenant, ici, il parle du don de parole de connaissance.
voyez, la parole de connaissance. Il parle de la parole de connaissance. Logos gnoseos. Il parle de logos gnoseos. Et il parle de charismata prophetia, du don de prophétie. Voyez. Il y a le logos sophias et il y a le logos gnoseos. Le logos sophias, c'est la parole de sagesse. On va voir ça prochainement. Et on a le logos gnoseos. On a donc d'un côté le logos gnoseos et de l'autre côté, on a le charismata prophetia, c'est-à-dire le don de prophétie. Maintenant, quelle est la différence entre la parole de connaissance qu'on appelle logos gnoseos et la prophétie, ou bien la parole de prophétie ou le logos prophetia? Quelle est la différence entre les deux? Bon, laissez-moi regarder ce que les gens ont donné comme réponse avant que je ne commence l'explication. J'avoue que je suis encore au lait face à ce thème. Je n'assimile pas encore ce sujet dans les profondeurs. Ça, c'est Blanche Doris. OK? Le don, bon, on a Choupi Choupi qui dit « Le don de prophétie est la capacité de voyager dans l'esprit. Le don de connaissance est la révélation instantanée. Mon humble avis. » OK, merci. Mais ce n'est pas ça. Je cherche, hein? Quelle est la différence entre la parole de prophétie, entre la prophétie et le don de connaissance? OK, on a Elisa Gislain qui dit « Le don de prophétie, c'est la capacité de parler de la part du Seigneur dans le langage du ciel et de l'interpréter en langue commune, si on a le don d'interprétation des langues. Le don de la parole de connaissance, c'est lorsque Dieu vous donne des informations précises concernant une personne que vous avez devant vous. Ces informations peuvent concerner son présent, son passé, son futur. » OK, merci. Mais ce n'est pas exactement ça. Quelle est la différence entre le don de prophétie et le don de la parole de connaissance? Les réponses. Différence entre le don de prophétie et le don de la parole de connaissance. Et les gens répètent la question. On a Mireille Fofi qui dit, la différence est que le don de prophétie est le fait de voir les choses cachées dans la vie d'un homme qui va arriver. Et le don de parole est celui qui lit et explique la parole en toutes circonstances. Non. Pas exactement. Bampam Zachary dit, la prophétie est ce que Dieu dit dans la vie d'un homme. C'est le ainsi parle l'Éternel. OK. C'est pas exactement ça. La parole, on a Dawe Armand qui dit, la parole de connaissance fait partie des dons qui accompagnent le ministère prophétique. Le don de prophétie est la grâce que Dieu donne à un homme qui n'est pas forcément prophète, de ministère pour libérer la pensée de Dieu. OK, d'accord. C'est pas ça exactement. Bien. Je pense que là, on va, pour ne pas perdre le temps, merci pour votre sollicitude, la volonté de d'expliquer. D'accord, maintenant, on va essayer d'expliquer. Donc, on parle de logos gnoseos, la parole de connaissance. Je vais vous donner un très bel exemple de la parole de connaissance. Qui peut me donner un exemple? Et là, les étudiants de la Bible. Un exemple de la parole de connaissance dans la Bible. Un exemple. Parole de connaissance, c'est la révélation sur le passé et le présent. Excellence, ça c'est l'excellence bénédiction Jacques de Jésus. OK, ça c'est la parole de connaissance. Et la parole de prophétie, alors, c'est quoi? Bonjour papa, la différence, la personne prophétie, c'est écouter Dieu. Et don de connaissance est celui qui accompagne le ministère prophétique. D'accord. Non. Bon. Je donne l'exemple de la parole de connaissance. Ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux
qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, etc., 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 etc. Bien. Maintenant, lorsque vous lisez ce passage et que vous réfléchissez un temps peu que ce soit, vous allez vous poser une simple question. Qui a écrit le livre de la Genèse? Oh, celui qui a écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le prophète Moïse. Maintenant, comment Moïse peut-il nous expliquer qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre? Il était où? Est-ce qu'il existait en ce moment? Non. L'homme n'existait pas. Comment Moïse peut-il nous rapporter la création dans ses moindres détails, comme s'il était là présent, et comme un témoin invisible, voyant comment Dieu était en train de créer le ciel, créer la terre, et regardant, étant témoin du processus créationnel, des choses d'en haut et des choses d'en bas. Comment Moïse peut-il nous rapporter ça? La question que quelqu'un d'intelligent doit se poser, c'est comment cet homme nous raconte-t-il la création? Est-ce qu'il était là? Puisque ces événements se passent avant la création de l'homme, sachant que l'homme a été créé le sixième jour, c'est-à-dire c'est la dernière création de Dieu. Après l'homme, Dieu n'a plus rien créé. Comment Moïse a-t-il donc fait pour nous rapporter la création? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, comme s'il était là. C'est la question qu'on se pose. Personne n'était là. Normalement, Moïse n'a pas... C'est-à-dire, il n'est pas qualité, il n'est pas habilité à nous expliquer les choses qui se sont passées. C'est la seule personne qui nous a rapporté cela. Pourquoi? C'est la manifestation du don de la parole de connaissance, qu'on appelle encore logos gnoseios. En fait, le don même n'est pas la parole de connaissance. Le don, c'est le gnoseios. Le don même, c'est la connaissance. La parole de connaissance, en réalité, est une manifestation. Mais le don, le centre même, la centrale nucléaire du don même, c'est la connaissance, c'est le gnoseios. C'est le charismata gnoseios, c'est-à-dire le don de connaissance. Le don de connaissance est manifesté par la parole de connaissance. Mais avant la parole de connaissance, il y a ce qu'on appelle le charismata gnoseios, c'est-à-dire le charisme de connaissance, c'est-à-dire le don de connaissance. Le don de connaissance, c'est quoi? Vous voyez, quand on prend l'exemple de Moïse, ça te donne une explication claire et simple. C'est la capacité d'expliquer des choses. Permettez-moi de changer un peu la position de mon écran ici. Donc, le don de connaissance, ah non,